L Sport. L Sport. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est mercredi, il est 21h32, on est un petit peu en retard, on est désolé. C'est l'heure de L Sport, votre émission 100% sport, 100% sport féminin. C'est compliqué, hein. Moi, c'est le plus gourmand en plus, donc. Merci pour la précision. On n'en parle pas des privilégiés, on parle de ceux qui galèrent au jour le jour. Ah, ça commence, ça y est. On avait battu Metz, hein, Nina. Ouais, ça va. Enfin, c'est pas du Metz quand on paye pas les jeux, c'est en train. L'horloge biologique tourne, donc je pense qu'on a un certain... Nina, calme-toi. Hey, ça va, attends. Il est temps que tu t'y mettes. Oh. Non, mais on s'est déjà donné rendez-vous avec Amé pour une petite heure de squash et je pense qu'on va bien rigoler. Je capte pas très bien. Vous m'énervez. Mais je me dis, mais où on va, quoi? Bon, c'est vrai que chez les filles, on a un mental plus fort que chez les garçons. Hein. Je suis pas de ton avis. Avec tout le respect que je te dois, on a les frissons de A à Z. Donc, je tiens à le préciser, c'est du grand. On trouve pas sur la même planète, quoi. Leur jeu est beaucoup plus beau à regarder. Il y a pire, hein, comme sortie scolaire, avoir PSG Juvisy à Charletti, il y a quand même pire. La version off ou la version parce que j'avais vécu Pékin et que Pékin, franchement, c'était le voyage de ma vie, c'était un truc de malade. Il n'y a pas eu de JO cette année. Il n'y a que des matchs de poule, en fait, on a gagné, on a fini premier. Voilà. Je suis resté là. J'ai pas regardé après, je sais pas. Franchement, c'était nul. En plus, on était mal mis dans les tribunes. Non, t'as bien fait. Oui, non, mais bon, si on peut enlever le trampoline au JO et mettre le karaté, moi, je suis pour. Hein. Merci pour la précision. Les pauvres, quoi. Elles doivent être au bout du rouleau. Elles doivent... franchement... Et sinon, Nina, une petite réaction sur l'arbitrage, non? Non, pas cette semaine, elle a gagné. Ça, c'est pas... J'ai réussi à... Bon, j'avais pris 35 kilos, blablabla. On passe ça. Je t'avoue que les deux personnes que tu viens de citer, je les félicite pour leur performance, mais moi-même qui est fan de sport, je ne les connais pas. C'est la troisième mi-temps, on va dire. Ah non, mais déjà qu'on n'est pas beaucoup médiatisé, alors si en plus on nous enlève le peu qu'on a... T'as eu des petits bonbons, tu t'es déguisé, t'as fait quoi de beau ce soir? Non, rien, je suis avec vous, donc... Quand tu vois tous les sacrifices qu'il faut faire pour en arriver là, c'est vraiment dommage. Mais en tout cas, pour... les fans et ceux qui te suivent, il n'y a pas de regret, t'as tout bien fait. Jingle, Nina. Regarde, je demande, il va le faire tout de suite. Oh. Mimi. Je suis là. Oui, je t'écoute, qu'est-ce que t'en penses? Je suis bien avec mon casque, mon micro et ma radio, tout va bien. C'est une forme d'éducation, donc... En fait, on sait pas, j'ai pas compris, une par une. Effectivement, on prévient une fois, deux fois, trois fois, puis effectivement, au revoir, quoi, si ça roule pas. Hop. Ouais, déjà, si c'était douloureux, je pense que je m'arrangerais pour avoir mes enfants dans ma valise. Voilà, ça a planté ton coup. En fait, j'avais des potes, mais là... Nous aussi, on t'aime, Nina. C'est un hommage. Alors... Je suis pas dans le coup, Nina. Oh, la balance. Non, elle est pas facile à gérer, Amélie Fabriès. Non. Moi, aujourd'hui, j'aime cultiver ma féminité sur le terrain. Et de t'entendre dire, mais bien sûr, quand on a un cocard, on le cache pas parce qu'on en est fier, mais oui, on fait de la boxe et on s'en fout, quoi. Quand on prend un petit dans un club, on le voit grandir, on le voit évoluer, on le forge, on lui dit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Non, mais avec des peut-être, on mettrait Paris dans une bouteille. Hein. Oh, pas trop non plus, hein. Demande-lui si elle connaît pas la chanson Chaud Cacao. C'est aussi pour, pas que contre, c'est aussi pour, c'est un hommage. J'adore cette équipe. Hein. T'as fait un petit peu l'Alsace, t'as fait le Doubs, t'as fait Paris, t'as fait la Lorraine, t'as fait la Bretagne, maintenant Danemark. En gros, voilà. T'aimes pas le soleil, quoi. Je suis ravie que tu me donnes la parole. Moi, je suis contre tout, moi, tu sais bien. Oui. Bronchon est sorti, d'accord. Ouais, non, plus de filles tout court. Alors ça, il y a quelques années encore, les commentateurs se trompaient toujours sur le nom des voiles. Depuis le début de l'émission, je fais que de pousser des coups de gueule, donc là, je vais arrêter, mais allez. J'ai beaucoup aimé ce sport, et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. On a le tennis de table, qui est un sport très pratiqué. Clairement, tout le monde s'en fout.
Et le tennis, on a quand même des anciennes numéro 1 mondial, et c'est pareil, tout le monde s'en fout. Comment t'es bien ? Chacun ne se retrouve pas dans une certaine fédération, donc... Donc, vous écrasez contre les murs et les vitres, ne prenez pas votre licence. Et on n'a pas forcément abordé, mais peu de gens le savent. Enfin, le sache, pardon. Le sache, oui, le sache, pardon. Céline, si tu me perturbes ce soir, ça me perturbe d'avoir Céline avec moi ce soir. Je suis désolé. Je vois. Ben, carrément, mais je la montrerai haut et fort. Oh. Non, mais on s'est déjà donné rendez-vous avec Amé pour une petite heure de squash et je pense qu'on va bien rigoler. Je capterai pas très bien. À la semaine prochaine. Chris, si t'es prêt, tu lances le son. Bonne soirée à tous et à mercredi prochain, 21h30, 32-33. Enfin, comme d'habitude. L-Sport sur RTS Radio. L-L-L-L-Sport. 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 L-Sport.